deuxième partie de Manque de Slip avec cet endroit un peu cauchemardesque, j'ai presque envie de dire. Cet endroit qui reflète parfaitement la réalité de certains mercredis soirs lorsqu'on serre très fort notre doudou entre les mains, qu'il se met à briller, qu'il nous parle et qu'il nous dit d'aller récupérer des chouettes qui s'illuminent dans des recoins sombres avant de nous pousser à nous mettre à quatre pattes pour ne pas faire du bruit, histoire d'éviter l'attention de cette ombre menaçante. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Alors, très bien. Ok. Oh oh. Ok. Ah, très bien. Il y a encore un emplacement pour mettre une, pour caler une truite. Hein. Alors. Je peux me noyer, hein. Réponse. Non, mais ok. Non, mais là. Mais même la tétine qui se balance. Elle est creepy. Mais même la tétine. Oui! Même la tétine est là! You are dead. Pourtant, avec tout ce que j'ai calé dans ma couche, mon gars, je suis censé flotter et pouvoir traverser la Manche. Hein. Je ne comprends pas ce bug du jeu. Qui devrait normalement... pouvoir gérer tout ce qui est mécanique de manière très intelligente. Je trouve que c'est pas bien simulé. Oh. Ah, tu sens... Tu sens tout le poids de la couche. Hein. Tu sens que Newton est passé par là. Hein. Ok. Et bien sûr, on trouve des champignons, évidemment, avec des étoiles. Hein? Bien sûr. Et des tiroirs avec des moustaches. Mais même le bruit... Il... Okay. Le pire, c'est qu'il est très bien adapté. Là. Non. C'est à la fois hyper angoissant. Et je trouve, en même temps, que cette partie onirique est beaucoup moins angoissante que le début. Je retire ce que je viens de dire. Orbe! Ok. On a ici de quoi grimper. Toujours un autre rite sacrificiel. Ouais, température un peu glaciale, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Deuxième rite sacrificiel. Oh. Parfait. Ah, je me demande si par là, il n'y aurait pas eu un dessin. Non, en plus, c'est hyper angoissant, si regardez. Regardez, on a avec la visibilité, là, on est comme ça en mode... Hop là, hop, 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 hop.
Là, je me revois toute la tout le trailer de Fast and Furious 9 hein, là. Oh, ok. Non, voilà. Non, mais non, mais. Mary Jones! Give us a sign. Mais. Oh! Mais t'as. Oh. T'as envie de prendre un vrai doudou dans la vraie vie? Je regarde si j'ai pas un doudou. Un doudou régné là, autour de moi. Non, j'ai pas choupette à côté de moi. Ok. Bon, ça a l'air très intuitif. Ça. Speeder dodo. Bah ouais, mais est-ce que. Vraie question, quoi. Est-ce qu'il peut marcher au plafond? Attention, couche. Ok, même pas. J'ai mon doudou en vrai. Alors moi, je me. Ouais. T'as envie de. Ok. Une bouteille. Très bien. Parfait. Ce qu'on appelle, je dis une bouteille à la mer, c'est ça? Très bien. Vous avez tous vos doudous avec vous, hein? C'est bien sûr, hein. C'est bien foutu, hein. Mais. Même. Allez, ça c'est ma tête quand je lis les modérateurs. Ça, c'est là. C'est. Exactement. C'est. Ouais, c'est ressemblant, c'est parce que c'est le les yeux foncés, hein. Est-ce que je vais m'envoler en venant là? Évidemment, je suis un bébé avec un doudou, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller dans un couloir avec une bougie satanique dedans. Ça, c'est mon autre tête. Ça, c'est ma tête quand je lis le chat. Ça, c'est ça. Avant chaque live, je suis comme ça. Et je me rappelle de nouveau que j'ai pas le choix. Je me suis déjà engagé qu'il faut que je lance le live. Bah ouais, c'est genre. Ouais, c'est assez ressemblant. Ouais. Ah bah non, mais bien sûr. Je le sachons. Voilà. T'as cru que j'allais pas savoir résoudre cette énigme. Tu m'as vraiment pris pour un gars qui avait pas joué à Resident Evil 8, hein. Ha! Un tiroir avec des tripes. On a l'imaginaire qu'on veut, hein. S'il vous plaît, hein. Merci. Avoir choisi ma chaîne pour. Ah! Le Prime. Merci beaucoup. C'est quoi ce bruit? Wow, wow, wow! Ok. Il y a un bruit, on dirait que c'est. On dirait que je suis Baby Pyramiden. Pas dire ça, non. Oh, qui a fait ça? Ok.
qu'il se dénonce. Ok. Na 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 na. Ok. Sans déconner! Let's not dwell here for too long. Tu crois que je fais quoi là? Ok. Baby Castellanos. Oh la cavale! Il y a un bruit là qui me suit? Genre on dirait que c'est quelqu'un qui boit le fond d'un verre avec une paille. Un peu comme elle à côté du puits. Comme... Attends. Genre elle boirait le fond du puits avec une paille? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi elle ferait ça? Est-ce que ce serait pas un glitch sonore? Ouais, je pense que c'est un bruit qu'il y a. Parce que moi j'ai l'impression d'être à Silent Hill depuis tout à l'heure. On a chargé, hein. Voilà. Ah voilà, on a quitté Silent Hill. Mais c'est pas comme ça qu'on boit! Et madame! Peut-être. La BO du film Prendre dans les bois était bien. Le film, bon, c'est un film français qui a tenté la gageure de faire peur, hein, bien sûr. Hein. Silent Hill n'est jamais vraiment loin. Quoi? Il y a une info sur le fil de la modération. C'est le record. Comment ça va? Ok. Yes. On va remettre ça. Quoi? Oh non, non. Franchement, ils ont... Mais dans tous les jeux, ils ont tous un problème avec les portes. Franchement, Capcom, si vous êtes dans le chat. Il y a un truc à faire avec, avec ça. Hein. L'huile, ça existe. Bah, j'aurais pas dit comme ça, hein, mais... Ok, le paravent, ok. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Va falloir me rustiner ce plafond, hein, quand même. Hein. Ok. Go à quatre pattes. Mais tout. Coquin. C'est tellement bien joué. C'est typiquement le genre de choses. Il y a deux, trois séquences comme ça dans le genre horrifique ou dans le genre flippant. Deux, trois petites trouvailles qui sont pas mal. Ça en fait partie. Je suis très, très client de ça, hein. Ok, alors là, on va aller récupérer ça, exactement.
Ok. C'était son bras. J'ai vu quand il a sauté, quand il a bondi comme ça en mode. Ok. Non, j'ai pas. Non. Ok. Wimbo Air. Arrêtez avec vos foutues portes qui grincent. Non mais je pense que, en tant que dev son, je pense qu'il doit y avoir un casting de gens qui couinent. Est-ce que ça peut pas faire plic-ploc sur mon dodo? Alors évidemment on peut pas. Bon. On a quoi là? Ok. Tout va bien. Tout va bien. Je suis sous la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Tout va très bien. Ok. C'est quoi ce... Ok. Tout va bien. Je suis... C'est dans les cachots de Resident Evil. T'es sûr? Ok. Et si je faisais en sorte de remonter le cadavre du puits pour jouer avec? Allez, petit cadavre, tu peux le faire. Oh non, c'est un morceau de puzzle, il est pas vraiment un cadavre. La porte va s'ouvrir, il va se passer un truc. La porte va s'ouvrir, il va se passer un truc. La porte va s'ouvrir, il va se passer un truc. Ok. Mais c'est marrant comment s'adapter. C'est marrant comment s'adapter. Les énigmes. Oh, la tension monte un tout petit peu peut-être. Hein. Vu hein. C'est la spirit. J'ai l'impression qu'elle a phasé. On est parti à gauche, on va aller à droite. Tout ouais. On va essayer de pas aller trop là où elle est. Hein? Oh, ok. Mais quoi, wesh? Ta 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 ta. Voilà. Ok.
André? Mais non, elle voulait pas me tuer, elle voulait juste me faire un petit câlinou sur le dessin. Voilà, va. Oupa! André? Alors, faut pas oublier que je suis à quatre pattes en pleine forêt. Hein. Ça me rappelle le titre. De la compilation de Neil Buck qui s'appelle La poix dans la forêt. Où justement, John avait raconté sur scène qu'il avait nommé cet album À poil dans la forêt pour qu'un jour. Juste l'idée de savoir que tu allais voir ton. À ta boutique et demander au vendeur si tu pouvais lui prendre un poil dans la forêt. Le plaisir simple. Ok. Faut se mettre debout. Je suis dans une cabane. Hein. Normal. Oh là. Mais non. Un visionnaire. Regardez, elle me bute pas. Ok, tout va bien, tout va bien. Tout est sous contrôle. Tout est très bien sous contrôle. Et même le bébé en grimpant. Alors non! Répétez après moi. Totoro, 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 Totoro. Totoro, Totoro. Totoro. Ok, c'est le Totoro Garou. Bien sûr, le fameux. Voilà, j'entends la droite, non? C'est pas du tout. J'ai la couche trop large, je ne peux pas passer! Je m'ai bloqué. J'ai la couche beaucoup trop musclée. Oh, je peux passer par là. Non? Je peux pas? Oh. Il triche là. Franck, il y a tutor, c'est vous.
T'as l'air, hein? Tout va bien, bien sûr, tout va bien. Tout va bien. Alors non. 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 Oh, regardez, elle me donne de la pâte à tartiner Nocciotella à la cuillère. Vraiment adorable. Adorable. Comment on pourrait croire que qu'elle n'est pas... Mais non, c'est pas une pierre, c'est pas une pierre qu'elle tient, c'est totalement... Oh, un pot de chocolat. Avance! Fais pas attention au poids de ta couche. Non. Laisse le plouf derrière toi. Seul le pénitent le peut. Non, oui? Tout va bien. Seul le pénitent. Non mais je savais pas qu'ils avaient fait un DLC à Resident Evil 8. Je pensais qu'il était trop récent le jeu pour... Ok, une suite tout de suite. Resident Evil 8, Baby Edition, Rose Edition. Mais en vrai, le pire, c'est que vous savez que ça peut exister, ça, hein, un DLC. Un DLC en 4 parties! Je félicite pas Franck. Prochainement. Là, il a peur de choses qu'on n'a presque jamais vues. Voilà. Mais le pire, c'est qu'on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Franchement, il y a un truc, mais... Oh. Mon gars. Ah, non, non. Ok. Ouais, un genre de monstre. Mais ça me fait penser à un type de monstre, en fait. Ça me fait penser à la créature dans Sinister. C'est pas des bottes!
crois que j'ai de la couche repleine. Moi, ça va. Oh non, 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 non. Laisse-moi drifter! Alors, j'avais vu sur Steam qu'il y avait un simulateur de... Mince, comment on appelle ça? Mince, j'ai bouffé le nom. Ah, quand vous vous occupez d'un corps après qu'il ait fini de vivre. 1, 2, je... Si, ça existe vraiment. Légiste, voilà, légiste, un simulateur légiste. Ouais, ça existe sur Steam. Non, pas un simulateur d'autopsie. Autopsie simulateur, ça existe. En fait, il existe Jesus Simulator. On incarne Jésus. Laisse-moi aller sous le piano! Et un simulateur d'autopsie. On est à deux doigts d'avoir un simulateur de couche, hein. Oh, 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 oh. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas des simulateurs de tout, enfin, ouais, il y a... Voilà. Il y a peut-être un simulateur aussi de gardiennage de prison. Ok, il faut passer à l'arrière, là. J'ai envie de me lever pour pousser la chaise. Ça fait pas ce bruit là, une chaise! The next memory. Huh? It's your book. Listen. Oh, come on. I'm thirsty, said the rabbit. The rabbit cried and cried. She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Ok. Genre de légende manga. Oui, on va glitcher. Yes. Et en vrai, c'est un peu comme si j'allais dans mon Golgoth à moi. Oh, we're back. J'ai le bout du toboggan, j'arrive dans une chaise, elle se retourne, je dirige une sorte de mégazord contre Satan. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est presque ça. What was that? That thing? Qu'est-ce que c'était cette chose? She seemed so sad and desperate. Oh. Oui. Ah, j'ai l'impression que de plus en plus ma couche me ralentit. So nice when we're through with all this and we can play together all the time. Oh.
Ok. C'est quoi ce bruit là? Genre Jean-Louis, ça fait pas ça comme bruit. Good. Another one down. Yes. Ah! We are getting very close. Un, deux. Non, trois. Trois. Oh, she must be so worried about La mère doit être tellement. Mais vas-y, culpabilise-moi, tu sais quoi? Tu crois que je le sais pas? Tu crois que je suis un bébé irresponsable? Bon, c'est peut-être parce que je suis juste un bébé, mais oh! Hey! Allez! Ça va, je ne suis pas plutôt inquiet. Ça va. Non, mais le nounours qui me fait culpabiliser, oh! Que faisiez-vous le vendredi 13 novembre à 17h15? Non, mais le jeu d'ombre et de lumière, mon gars? Oh ben non, mais ça va. Oh, ça va me saouler. Non. Mais non, mais je sais pas faire pour la culpabilité donc. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est ça que... Ok. Suivons les traces de moisissure de Resident Evil. Mais... Ok. Évidemment. Ouais, moi je propose qu'on ouvre aucune porte ni rien en fait. Hein. Je pense que, ouais, au moment où ils ont fait Resident Evil, ils voulaient pas avouer que l'inspiration venait de là. Hein. Ok. Oh! Tout va bien. Très bien. Très bien. Mais ouais, très bien. Ok. C'est pas moi. Et c'est pas moi, hein. Et mon gars, mais tout est tellement angoissant. C'est tellement angoissant. Je vais aller jouer au ballon, hein, parce que je suis un bébé garçon, hein. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, ok? Non, mais j'ai pas envie d'aller vers la lumière, là, en fait. Je ne fais pas ça. Mais même dans Metal Gear Solid, ils font pas ça. Là après, je... Oh. Happy fête, hein. Bien sûr. Hein. C'est bon. Ma protection à moi. Anti-Satan. Ok. Ah voilà, c'est par là. Non, oui. Non.
Alors là... Qu'est-ce qu'on a? On a rien. On est juste dans un endroit un peu... Un peu exigu. Est-ce qu'il y a... Oh, ok. On l'avait pas celle-là. J'ai la fin. On l'avait pas celle-là. Mais c'est quoi ce bruit de couinage? Bien. Hop là. Non, non, ne faites pas ce bruit. Mais qui... Regardez, là c'est un dessin de bébé qui joue avec la prise. Ok. Non, non, non. Oh, c'est peut-être un peu flippant, hein. Non, mais pas les vêtements. Pas ça, pas... Pas la penderie, non. Non, vous savez ce qui va se passer. Vous le savez, on le sait tous. On le sait. Je le sais, tu le sais. Ok, non. Tu... Voilà. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Non. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que c'est? C'est mon gars. Ouais. Une bobine, une balle de tennis, très bien. Des jeux de garçons, donc. Hein. Oh! Attends. Alors, je prends. Et je dois lancer. Parce que... Alors. Oui. Non, hein. Allez! Le tir était trop parfait. Le tir était trop parfait. J'étais vraiment trop bon. Allez, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Allez. Respire. Tu es la balle. Tu es la balle. Boum! Non, 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 pardon! Pardon! Ça va, j'ai pas eu peur. Et on dirait qu'il y avait quelqu'un dans ce pantalon et qu'il a été désintégré comme si une créature venant de l'enfer avait pris son âme tellement fort que son corps était replié sur son âme et il avait disparu et dans ses vêtements et ses vêtements étaient restés ici. Enfin, c'est comme si, hein, c'est... Deux ans. Je peux faire un loop par là. That light, it looks like the memory. Ok. Ok, très bien. Il nous faut caler une étoile. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Oula, oula, c'est quoi ce micro? Ok, glitch. Non, tout va bien. Et mon gars, regardez, ça c'est quelqu'un qui éternue fort. C'est pas quelqu'un qui rejette son âme par son nez. Rien à voir.
bien. Ok. Très bien. Bon, il faut pas que j'aille en face. Il faut que j'aille de l'autre côté. Il faut que je revienne. Je présume. Pour pouvoir grimper sur la plateforme. Non, non, c'est... Wow! En vrai, ça donne pas envie d'être bébé quand on sera grand. Hein. C'est... Ouais. Je suis pas méga chaud. Hein. Ah bah non, mais j'ouvre... J'étais sotte. Ok, il suffisait de... utiliser les tiroirs, bien sûr. Dans lesquels pouvait se mettre le bébé. Voilà. Oh. Ça sent le coup de Margoulin. Hein. J'arrive, j'arrive. Voilà, voilà l'étoile. Superbe étoile. Allez. Non? Oh non, moi je voulais... Magnifique. Bah bien sûr. L'étoile est ici, hein. Oui. Non. Wow! Qu'est-ce que tu veux? J'ai un skate. Ah non. C'est un skate xylophone. Et je saurais m'en servir. Oui. C'est pas la meilleure idée du siècle, mais j'en conviens, hein. En prénom composé. Ok. Bon bah c'était bien là, hein. Et on est de retour là. Mais non. N'empêche... Ce niveau fait plus peur que l'usine d'Heisenberg dans Resident Evil. Hein. Comme quoi, à la place d'un fusil à pompe, tu cales une couche et il y a moyen de... Ah, là, par exemple, non. Est-ce qu'on peut monter là-haut, hein? Ok. Ben si, mais peut-être. Est-ce qu'on peut drifter, là? Bien sûr, bébé grimpe dans le tiroir à couteau. Bien sûr, juste après avoir débranché la prise électrique avec la bouche. Évidemment. Comme dans tous les jeux vidéo de simulation. Ah, c'est un peu un simulateur d'autopsie, hein, là. Voici. Oh, pardon. Ok, je me cache dans le four. Non. Allez, parti. J'ai l'impression. Yes. Très bien. Non, j'ai pas eu besoin de me cacher dans le four. Ok. Ah, je m'ai glitché là aussi. On va tirer le carton. C'est très rassurant. Non, fais pas ce bruit.
J'ai l'impression... Il y a un petit côté Expendable 3. Hein. J'ai l'impression d'être Sylvester Stallone sur le toit d'un immeuble qui va s'écrouler. Mais avec une couche dans un monde éthéré. Poursuivi par une ombre démoniaque. Et avec une peluche qui lui parle. Mais sinon, mais vraiment pareil. Hein. Mais de ouf. Ok. Ah. Oh ouais. Je suis... Regardez. Là, regardez. Séance de Zumba avec bébé. Allez, hop. Ou Capoeira. Nananana, nananana. Presque. Allez. Regardez, ici, ça, là, c'est... Ici, c'est mon espace. Et là, c'est ton espace. Avec le bébé qui saute dans les bras de maman, en mode... Et là, c'est... Bébé dans le TARDIS. Et maman qui dit « Oh non, il reviendra dans 3000 ans !» Parce que dans la saison suivante de Doctor Who, c'est pas une femme, c'est un bébé. Pas désolé pour le spoil, mais... J'ai dit désolé pour le spoil! Oh, je me suis excusé. Oh, hé, hey, j'ai trouvé. J'ai résolu l'énigme. Ok. Oh, je me sens comme Stitch. Mais je sais ce qui va se passer. Je vais faire tomber un truc et ils vont pas être contents. Alors que moi, je veux tout casser. C'est pas fait exprès! J'ai pas fait exprès! Oh non! J'ai dit que j'ai pas fait exprès! Allez, easy. Boum. Avec une couche pleine. Double boum. Bam. Esquive. Allez, sweep. Regardez, et là... Là, c'est papa qui s'est pas rasé. Et moi devant en train de faire « Oh, tirer une montagne de forêt !» La musique qui hésite à faire peur. Genre le DJ qui regarde le dev qui fait « On y va? On lance ou... Go ?» C'est maintenant ou pas? Okay. Ouais, quand même, franchement, trop bien l'idée de faire tomber toutes les bouteilles du coup. Voilà. On a l'étoile, hein. Mais... Tout va bien. Tout va bien. C'est faux. Tout va bien. C'est faux.
taper. Hop là. Je refais une Vincent Cassel. Oh non. Ah non, non, c'est quoi? J'ai pas vu le doute en toi, t'imiter. Quand j'avais plus peur de ta vie. Voilà, ouf, le drift. Heureusement que j'avais du poids dans la couche hein, pour pouvoir négocier le virage. Ok, ça marche, en tout cas. Ok, c'est un projectaire. Oula, oula, oula. Essayez de me piéger, hein. Et écoutez, j'ai déjà vu Ocean Eleven plein de fois. Vous croyez que vous allez m'avoir? Je crois pas, non. C'est pour ici. Voilà. On peut, hein. Oh non, non, non. Non. Fast and Furious! Bomber zu Drifter! Ok. Mon gars, je t'ai négocié ça. Déjà vous! Bomber zu Drifter! Bomber! C'est vrai que vous pouvez remplacer. Attention! Oh. Yes. Ah mince. Yes. Comment te gérer ce blond? Allez, étoile en ta face. Hop là, boum. Résolution d'énigme, puissance oméga. C'est qui les boss du game? C'est l'eau. They have big ears and a long trunk. You're my leader. Okay. C'est un peu flippant, hein. Oui, je veux accéder à cet éléphant. Donne-moi cet éléphant, nom de Dieu! Pardon, excusez-moi. Depuis que je me suis caché dans un tiroir à couteau de cuisine, machin. Je suis devenu extrêmement... Dangereux, c'est un bon terme, hein, dangereux, ça me va bien. We've got the final memory. Let's hurry. Ouais, c'est pas mal. Oupla. Isaac 2 est sorti. Pourquoi? J'ai l'impression que... qu'il y a que... que je suis en enfer. Mais non... mais c'est quoi ça? Miranda? Mère Miranda? Ok. Au secours, André? Ça, c'est une chambre qui est mal rangée. Yep.
Doudou, puissance maximum. Ah. Ouais, comme dans l'arche maudite. L'arche perdue, pardon. J'aurais dû me douter, Par le pouvoir du doudou. Ok. Allez, tête pas, plus vite. Utilise le mode catapulte de la couche. Non. Non. Si, prends-le, laisse-moi en vie, Mais laisse-moi en vie. Mais je vous jure, mais c'est... C'est totalement Resident Evil 8 Rose Edition. Ted, Teddy Ted. Alors ça, mon gars, le trigger avec. Oh, avec les morceaux de peluche qui tombent. Mais non. Ce ne sont pas des biscuits secs. C'est pas des biscuits secs, Dr. Jones. Oh non, ça va, on voit pas. Waouh. J'avais compris l'intrigue dès le début, du coup c'était vraiment de la pina colada de maman. Souvenir avec Teddy. Allez, dans la machine. Et là, comment on fait pour appuyer les deux en même temps? Ah, je dois mettre un bras coupé dessus, peut-être. Ok. Ça compte quand même pour un bras. Ah. La moitié de la tablette de chocolat rien que pour moi.
Ok. Bon. Je vais m'équiper, je vais récupérer tous mes flingues et je vais les récupérer. Je vais récupérer Teddy. Teddy, sache que... Moi, la couche pleine, jamais je ne t'abandonnerai. Ted. Attends, mais même là... Oh, Ted. Non, théoriquement, si je veux bien faire des trucs, je devrais faire ça. Oui. Ah, parce qu'avec, selon la théorie de la relativité, la couche tire vers le bas. Donc, ça fait comme dans tous les débuts de niveau de PUBG, quoi. Ça te permet de sauter d'un avion et tout. Attends, gauche. Non, mais... Non, mais le trigger, mon gars. Écoute, maman. Bon, si ça peut te consoler, on va boire ensemble. Tu ne seras pas seul. J'apporte ma bière. Ouais, maman. Parce que moi, quand j'étais avec les autres, je... J'irai faire les courses, je m'occuperai des vêtements et je... Oh, yeah. Oh, son père peut-être. Wow. Wow. Efficace. Bon, est-ce que vous avez aimé? Moi, oui. J'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. Yes. Allez, on fait la version hardcore plus. Genre sans le poids de la couche. C'est parti. Sans les munitions infinies.